Salut à tous, c'est Arkenkai, bienvenue dans Hollow Knight. Aujourd'hui nous allons continuer l'aventure. Donc comme je vous ai dit, je voulais faire 2-3 tours dans les magasins. Donc pour l'instant, là vous voyez, je suis ici dans les routes oubliées hein. Sachant que j'ai trouvé ce... Je crois que je voulais jamais montrer celui-là. Voilà. En fait, c'était juste là où on avait trouvé le marchand qui est dans la ville là, que j'ai acheté les derniers trucs dans l'épisode précédent. Il faut savoir qu'il y avait celui-là qui était juste pas loin. J'ai pas fait gaffe. Il me semble pas que je l'ai vu avec vous. Et du coup, ici, on peut acheter des emplacements pour les charmes. Donc moi, je dis oui. Alors bien sûr, il y a une limite. Pour acheter plusieurs emplacements, en fait, il faut que, voilà, par exemple, il faut que j'ai 18 charmes. Je sais même pas combien j'en ai à la base. Mais là, je peux en acheter des pas trop chers. Là, ça fait quoi? Ça fait 470, ça fait 700. Ah, c'est dommage. Donc, on va voir. Faire. Ah, donc ça, c'est pour avoir un aiguillon un peu plus long. Moi, je dis pas non. Ça coûte 2, là, ça coûte 3. Cependant, si un jour tu apprends... Donc ça, c'est pour rendre les sorts plus puissants. Donc c'est plutôt cool. Et ça... Et ça. Ah d'accord, ça me fabrique des points de vie supplémentaires. Ah. Et ben on va acheter le 300 et le 250. Hein. D'accord, je me suis bourré. C'est pour ça que je lui parle, hein, parce que ça évite qu'il fasse ce bruit tout le long. Et le 800, c'est quoi? Canalisation rapide. Ça, ah, j'aurais peut-être dû le prendre. Ça me permet en fait de me soigner plus vite. Ah, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Bon, ce que je vais faire, c'est que là, je vais rajouter dans un premier temps, je pense, ce qu'on a dit. Voilà, vous voyez, c'est cool, ça me rajoute. Ça m'en fait combien là cette histoire? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. J'en ai 14, d'accord. Et elle a dit 18 le prochain. Donc, moi, comme je disais, je voulais peut-être mettre celui-là. Ouais, c'est bien, hein. Franchement. Ouais. Ça peut être très chiant à la longue, hein, le rire de l'autre là. Y'a que lui qui coûte cher en fait. Hein. Champi Sport, je le mettrai plus quand je serai un peu plus pété. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais vous épargner le trajet. Pardon. Je vais vous épargner le trajet et je vais essayer. Ah, au-dessus, il y a un passage. Non, vous savez quoi? Ah, attendez. Il y a un passage au-dessus. Ah, mince. Ah, oui, elle avait la maison de lui. Merde. Ah, j'ai pas fait gaffe, tiens, du coup, quand j'ai pris un coup. Faudrait que je fasse exprès d'en prendre un. Mais... Faire exprès de prendre un coup, quoi. En plus, là, je suis full. Ah, merde. Et du coup, je suis tellement full que ça sert à rien. Voilà. Là, moi, je suis pas full. Ah oui, c'est vrai. Là, il me faut une clé un peu bizarre. C'est vrai. Là, je sais pas du tout où ça emmène, mais ça y emmène, quoi. Ouais, bon, bah, du coup, ouais, y a rien de spécial là, donc je vais couper ici. Et on se retrouvera, je ne sais pas où. Je ne sais pas où. Ah, on a dit qu'on irait vers Vers-Chemin. Donc, à Vers-Chemin. Allez, à tout de suite. Oh, mon Dieu. Alors, attendez, j'ai trouvé ce passage. J'ai vu qu'elle était un peu fissurée, la porte.
peut-être moyen qu'il y ait quelque chose ici, on va voir. Voilà, Super Mario Maker. Ah! C'est bon. C'est Super Mario Maker, ça. Alors, ici, on est toujours... ouais. Dommage. Alors, c'est très calme, ici. J'ai paniqué. Ça a l'air calme. Oh, y a un truc là, c'est pas possible. Ah, je suis tellement loin. On va voir, hein. D'accord. Ah, tu fais comment là? J'aime bien parce que le boss, j'arrive jamais à le faire d'une traite. Hein. Ah, super, je suis à perpète. Hein. Bien entendu. Allez, bah, tout de suite. Allez, on est bien. Putain, mais j'esquive ça comment, moi ? Hop, hop. Mince, hop. Parfait. Allez. La génération. Bien se coller au mur, ça marche. Ah, ça marche pas. Ça marche pas tout le temps. Bon. Marche pas tout le temps. Voilà, c'est ça, ça me fera un peu plus de vie pour plus tard. C'est dégueulasse, on va tout nettoyer.
Bon, j'avoue, j'en ai chier, hein, comme d'hab. Ah, ça m'emmène à un passage là, c'est quoi? Ah bah oui. Par contre, là-haut, il n'y a plus rien. Non, il n'y a aucun autre passage. D'accord, c'était un boss, c'était pour gagner un fragment de masque. Pourquoi pas? On dit pas non. Allez, donc, direction vers chemin. Ouais, vous savez quoi, on va y aller ensemble. Je vous aurais coupé une bonne partie du truc. Ouais, c'est là. Tu te dirais, le boost te rend, fait comme une attaque, ça serait bien. Mais là, c'est tellement pas le cas qu'en fait, bah, t'es obligé d'avancer quand même comme ça, quoi. Je suis pas passé loin, là. Ouais, il doit bien avoir un ami, là, non, même pas. Alors, je peux continuer large. Ouais, je vais quand même me sauvegarder. Faut juste que je monte après. Hein. Parfait. Alors on a dit qu'on essaierait, Ouais, on va essayer celui du bas. On va essayer celui qui est en longueur et qu'on a déjà vu. On voit que je suis pas allé jusqu'au bout et, parce que voilà. Donc là tout droit. J'ai failli tomber. Mais j'ai juste failli, donc ça va. Alors, quoi, d'où je lui ai mis un coup. Ah, il faut peut-être y taper deux fois dedans. Ouais. Donc, toujours tout droit. Meurs. Merde, le passage est déroulé là. Ça rappelle la belle époque, hein. Alors, attendez. Bon, je me dirige vers les bancs, en fait. Voilà, donc en fait, on n'a plus qu'à descendre. Hein. Ouais, c'est ça. Parfait. Et là on va à gauche. Ça doit être là. Ah, oh, j'ai trop les boules. Me suis gouré. Mauvais dash. Ah, là aussi. Oh là là. Ah. Grand dash. Thank you.
Là, je vois pas comment je peux réussir. Avec un double saut. Bah, j'ai réussi. Ah ouais, là c'est un peu mal fait, là, je trouve. Non! C'est super compliqué. Mais bon, faut pas le faire à la souris, cette zone-là. Faut que je le fasse à la... Putain, il est mort en plein milieu, l'autre. Je vais en chier pour récupérer mon truc. Je vais jouer à la souris. À la croix directionnelle. Blop. Gratuit. Et ce sort est dangereux hein, si on l'utilise mal. Hein. En fait, j'avais pris l'habitude avec Ori de jouer au joystick, mais en fait, dans ce jeu-là, le joystick est moins intéressant. Même si globalement, vous voyez, j'aime bien faire des. Ouais, c'est pareil. Hein. Je suis mort comme une merde. Je le sens tellement pas. Voilà, là j'en ai donné une gratuite. Ça, j'y crois pas, mais il est où? Ça me dit que je l'ai passé. Super. Ma thune. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que je l'ai pas trouvé l'autre. C'est pas grave. La thune, c'est pas trop un problème, ça fait chier parce qu'il faut farm. Mais... C'est frustrant un peu ouais, de perdre toute sa thune comme ça, mais bon, le système de téléport est pas assez intéressant pour aller se pointer à la banque à chaque fois, poser le truc pour être sûr que. Franchement, je vois pas l'intérêt. Ça, à ce niveau-là, le jeu, c'est pas intéressant. On voit que j'ai failli me tromper. D'accord. Il est où? À mon avis, mourir ici, c'est bugué. Puisque je le vois pas.
Il est là. Putain, pourquoi il est pas apparu tout à l'heure? J'ai gagné les 4 que j'avais gagné tout à l'heure. Pourquoi il est pas apparu tout à l'heure là? Voilà, c'est tellement gratuit. Allez, bah jusqu'à que j'y arrive hein. Parce que je vais y arriver. Première étape. Bien joué. Elle était gratuite celle-là. Quoi? Oh là là, le jeu. Tellement gratuit. Non mais je suis d'accord, les pics, tout ça, mais... Voilà. Ah là là. Bon, ça va que ça me... Ça va que prendre des dégâts me fait du bien. Y'a quoi là? Se reposer. Oh là là! Merci! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas trop recommencé au fait, hein. Eh? Tostar Kukando. Un visiteur? Alors attends, c'est Cheo, maître d'aiguillon. Un visiteur, pourquoi t'es-tu glissé ici, petit ver? Peut-être que, comme moi, tu as le goût de la découverte. Je suis Cheo et dans ma vie intérieure, j'étais maître d'aiguillon. Oui, la seule chose qui me poussait était de devenir plus fort et d'affiner mon talent avec un aiguillon. Je pensais que c'était ma seule vocation dans la vie, mais ce sentiment a disparu au fil du temps. Maintenant, je suis à la recherche de nouvelles vocations. Quelque chose qui touche mon âme et me pousse à aller de l'avant. C'est pourquoi je passe tout mon temps ici, isolé, essayant de... Maîtriser l'art de création, peindre, sculpter, ces choses procurent un plaisir complètement différent. Tu me sembles pas très ému par ce que j'ai dit. Est-ce Cheo le maître aiguillon que tu cherchais? Es-tu venu apprendre l'art de l'aiguillon? Je te l'enseignerai si tu insistes. Ah d'accord, donc c'est l'un des mecs, ouais. Bah oui, bien sûr. D'accord. Donc c'est une grosse attaque.
plutôt cool. Gorename, chulo. Alors mon travail t'a-t-il ému? Le maniement d'un aiguillon, le maniement d'un pinceau, ces choses ne sont pas si différentes. Nous nous taillons un chemin dans le monde afin de pouvoir l'admirer plus en profondeur. Pour le moment, je n'ai plus rien à t'enseigner. Le chemin à suivre, toi seul peux le voir. Bonne chance. D'accord. Ce qui est cool, c'est que en fait, chaque épisode, j'apprends une attaque. Ah. D'accord, donc c'est juste un coup en avant. Hein. C'est juste un coup en avant. Ça y est pas, non? Bon. Hein? Kaname, chulo. Bon, c'est plutôt cool, hein, parce que je suis venu dans un endroit bien chiant, mais au final... Il y avait un truc, là? Non, je pense pas. Si on peut éviter de se taper le chemin, hein? Dans le doute, je vais y aller à pied, tranquillou. Vachement mieux ce passage. Ah, on n'a pas le choix. Ah, parfait. Mais c'est marrant qu'il n'y ait pas la... Ah si, là, regardez. D'accord, regardez. Il y a trois mousquetaires et en gros, j'en ai appris une là. Faudrait que j'essaye. En plus, regardez, je peux la charger n'importe comment. Ça pourra m'aider, hein, pour certains boss. Hein. Bon, alors, cet épisode était assez cool. Si on oublie le fait que je me suis fait dérouiller la gueule à un moment. Ouais, ça le one shot quoi. Ça me fait encore un peu plus de dégâts, c'est pas mal. Ouais, sans oublier le fait que je me suis fait dérouiller, c'est pas mal. Non, j'arrive pas à y dérouiller d'un coup. Donc c'est plutôt cool. Par contre, j'ai pas pris de banc là. Ce que je vais faire dans le prochain épisode du coup, parce que maintenant qu'on est allé là, parce que cet épisode, ça était juste ça. Hein. Quoique, je sais pas combien de temps j'ai coupé. Mais j'ai pas envie de faire des... J'ai pas envie de faire des épisodes trop longs. Alors on va se mettre là, je serai pas emmerdé. Ah oui, d'accord, ça me coupe pas complètement. Ouais. Ouais, faites voir, on va essayer un autre truc avant. Ah. Encore un saut, pourquoi pas. N'hésitons pas à ramasser des trucs, surtout que je perds la thune comme jamais moi, donc... Et encore, putain, heureusement, il vaut mieux acheter. Dès que tu peux, tu achètes. Parce que c'est vrai que sinon... Et lui, il punit ce jeu. Il te laisse une chance, mais... Souvent, si tu as perdu une fois... Allez, on va essayer d'aller tout en haut.
Attends. Passer par là. Meurtre. Voilà, on va se servir un peu du pouvoir, histoire que vous le voyez. Putain, je suis pauvre par contre, hein. Dis-moi que je retourne dans le monde que j'étais dans l'épisode précédent. Ouais, c'est pas intéressant contre un ennemi comme ça. Je dois les verrouiller un peu plus vite maintenant, je fais plus de dégâts. Voilà. Je fais un peu plus de dégâts, donc c'est intéressant. Allez, monte. Oh, l'épisode n'aura pas été si long que ça, parce qu'au final, j'en ai coupé un peu. Salut! J'ai raté mon coup. C'est pas grave. Non, je peux passer par là. Je suis bienvenu ici déjà. Alors pourquoi j'ai pas progressé plus que ça là? Ah mais oui, parce que ça appartient à... Ça appartient à la... Attendez. Je comprends pas que je l'ai pas sauvé. Ah ah ah. Non, 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 j'ai pas envie de descendre. Y'a quoi d'autre là? Alors ça serait presque dommage. Falaise hurlante. Ça serait presque dommage. Ben, ça je sais toujours pas à quoi ça sert. Ah mais j'en ai pas besoin de ça. Que je trouve le gars aux cartes parce que j'ai tellement pas de sous que je commence à avoir 100. Y'a pas une feuille qui traîne, hein. Putain. Oui. Salut. Allez, dis-moi que ça coûte pas cher. C'est bon. Voilà, regardez, vous voyez la dernière fois ce que j'ai fait. Cool, regardez, on voit qu'il y a d'ailleurs un endroit pour sauvegarder. Mais globalement, vous voyez, j'avais rien fait. Hein. Moi, la dernière fois, j'ai pas progressé assez finalement. Ça a pas l'air d'être une zone des plus difficiles ici. Hein. Non, ça se casse pas. Ah, attends, 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 attends. Fuck you. Genre de niveau, tu fais une connerie, tu... Tu tombes tout en bas, quoi. Ah ça va, je m'enrichis vite parce qu'il y a beaucoup de créatures, mais sinon... Voilà. Et normalement, ici, ça devrait être pas mal. Ouais. Ouais, je savais tellement pas où j'allais aller que j'avais dit que je m'arrêtais, je me rappelle. Hop là, gratuite celle-là.
Qu'est-ce qu'il y a, hein, voilà. Tu meurs. Faut faire gaffe, ça c'est dangereux parce que... Oula, j'ai tellement pas de prise là. Oui, voilà. La dernière fois, je m'étais... Ah bah oui, voilà. Mais non, j'étais rentré, comme quoi... Y'a quoi là? Ah, un matou, maître d'aiguillon! Oh bah putain, comme quoi j'en trouve deux dans la même partie! Je savais pas, franchement, je vous le dis, je savais pas. Quelle bonne surprise! Là, j'y suis allé en mode, allez, ça sera peut-être un boss, c'est pas grave, y'a un boss juste à côté. Il me semblait bien pouvoir sentir l'aura d'un guerrier féroce s'approcher. Bah, si on peut gagner deux attaques, hein. Je suis vraiment impressionné que tu aies pu trouver mon sanctuaire tout au sommet du monde. Tu as dû, sans aucun doute, subir de nombreuses épreuves avec beaucoup d'ennemis pour me trouver. Non, ne dis pas un mot. Moi, Mato, maître d'aiguillon, dans l'art de l'aiguillon, a été enseigné par le grand maître d'aiguillon lui-même, t'accepte comme disciple. Commençons la leçon immédiatement. Bah, oui, bien sûr. Anti-cyclone, maintenir X pour gagner de l'énergie. Hein. Ta technique parfaite. Maintenant, tu sais ce que t'as ressenti mon propre maître quand il nous a transmis ton enseignement. Enfin, mon enseignement, voilà. J'espère que tu me trouves pas trop direct si je te dis que je te considère comme mon propre enfant. En effet, quand je t'ai vu exécuter mon art de l'aiguillon, j'ai soudainement senti un lien secret entre nous. Tu m'en rends hommage au-delà des mots, cher disciple. Merci. Bam. Final. Plutôt cool. Plutôt cool, plutôt cool. Par contre... Ça m'en fait 2 sur 3, putain. Alors lui, c'est tout droit. Et lui, c'est en haut. D'accord, c'est une attaque de Link. Alors, moi je suis content, mais c'est presque dommage que je trouve pas le troisième là. Bah, pour trouver le troisième. Je savais même pas. Franchement, la dernière fois je me suis arrêté là, j'ai pas osé avancer plus par peur de me faire dérouiller, mais. Après là, est-ce qu'il y a quelque chose en plus là? Ici repose Gorb, le grand sage. D'accord. Ouais, y a pas grand chose à faire en plus ici. Après, au pire, ce qu'on fera dans le prochain épisode, c'est qu'on ira un peu plus. Bah, on visitera les falaises, on verra s'il y a autre chose à faire ici. Il y aura sûrement un boss volant ou quelque chose dans le genre parce que je vois pas trop ce qu'il peut y avoir ici. Waouh, mais pourquoi t'es parti là? Pourquoi t'es parti là, mon gars? Donc du coup on va s'arrêter ici au chaud, hein, pourquoi pas, hop. Et on aura appris deux super attaques, hein, c'est plutôt cool, on aura appris ça. Attends, c'est pas dans le même épisode qu'on a appris... Non, la super fusée c'était avant. Donc ça va, c'était plutôt bien. Bon bah comme quoi il y a au moins du contenu pour les épisodes qui arrivent. Mais c'est ça en fait, dans ce jeu il faut se balader, il faut s'amuser, on n'est pas pressé. Bon, franchement c'est pour ça que j'aime bien. Et puis là, c'est ça, au niveau épisode c'est plutôt cool. Allez, du coup bise et à la prochaine.